Voilà, plaisir immense, mesdames et messieurs, d'être avec vous dans cette émission spéciale Face à l'opinion. On va écouter un serviteur de Dieu que vous connaissez très bien, le pasteur Paul Mukendi, avec qui nous allons parler de la situation sécuritaire qui dérange notre pays dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est la recette du pasteur Paul Mukendi? Que propose-t-il? Comment compte-t-il, à son avis, aider son pays à sortir de cette insécurité qui apparemment est en train de bloquer le développement du pays? Pasteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, je suis content d'être là. Une première depuis l'année que l'année a commencé, 2024, qu'on vous reçoive dans cette émission. Oh, c'est l'année passée qu'on a fait l'émission, hein? Oui. Ok, oui, c'est une première. C'est l'année passée, ça va vite. C'est l'année passée. Je pensais que c'était cette année, c'est l'année passée. Pendant la campagne. Pendant la campagne. Ah, c'était pendant la campagne, oui, c'est cette année, c'est la première. C'est la première. Alors, on va parler de votre recette pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est. Je suis avec ma collègue Naomi Pila. Mbote Naomi. Mbote Ndekoda, Mbote Pasteur Paul Mukendi. Mbote Maman Naomi. Mbote na bandeko balandignon soya face à l'opinion. Pe bandeko balandarabiso, Congo Buzz Télévision partout dans le monde. Le pasteur Paul Mukendi est le pasteur du centre évangélique Parole de Vie. Ouais. Donc il s'exprime ici en tant que pasteur. Alors pasteur, quelle est votre recette? On a suivi ce message, ce court message dans un peu partout sous les réseaux sociaux, dites-nous un peu davantage. Pensez-vous que c'est vraiment le modèle idéal pour mettre fin à l'insécurité? Oui, parce que nous sommes face à des voyous. On est face à des délinquants, des nations qui ne veulent pas la paix pour le Congo. Et il faut aussi utiliser des méthodes qui sont fortes. Il faut les chasser de notre territoire. C'est tout comme ça. Pourquoi on va jouer au chat et à la souris? On sait que vous ne nous aimez pas, mais nous sommes là toujours à être gentils avec vous, mais vous n'êtes pas gentils avec nous. Alors si nous chassons ces Américains, et chassons ces Anglais, chassons ces Allemands et ces Français, tout sera clair. Vous êtes au courant de ce qu'on appelle rapport de force sur les terrains? Oui, rapport de force, oui. Dans les relations internationales, est-ce que la RDC, du point de vue du rapport des forces, peut peser comme les Américains et faire ces genres d'actes, poser ces genres d'actes sans subir des conséquences fâcheuses? Nous ne sommes pas une puissance comme les États-Unis, mais nous sommes puissants puisque nous sommes le Congo. Le monde a besoin de nous. Nous sommes un pays solution. On regorge les richesses du sol et du sous-sol. Aujourd'hui, le monde a déjà changé. Les Américains ne peuvent pas dire qu'ils sont les seuls tout puissants. Non. Nous avons la Chine qui est aussi une puissance économique. Nous avons la Russie qui est aussi une puissance militaire. Nous avons des pays émergents qui sont aussi des puissances. Donc il n'y a pas que les Américains et les Français qui dominent le monde. On n'est plus au XXe siècle. Est-ce qu'on peut le faire? On se réveille comme ça un matin, on commence à chasser les Américains. Où il y a des préalables? Oui, on peut se lever un matin, on les chasse. C'est notre pays, c'est chez nous. C'est chez nous. L'économie la vie est allée moins faible, toujours dépendre de Mingina Libanda. Vous imaginez le canal plus à Kangi, américain, français, et nous sommes à Bala Mboka Mosala, pour tout le même na Congo, même banque, nous sommes à Nango et à Libanda. Conséquences économiques, est-ce que vous mesurez en vous? Tous en la banque africaine, tous en la banque, mon sous Trokikobenga, chinois, russe, Batebele, sud-africain. Et il n'y a pas que des Français. Et lorsque les Congolais voyagent en France ou bien aux États-Unis, c'est pour aller prendre des photos derrière la Tour Eiffel, derrière le monument, derrière leur statut de liberté, et ainsi de suite. Mais eux, quand ils viennent chez nous, c'est pour prendre nos minéraux. Alors, qui a besoin de l'autre? C'est eux qui ont besoin de nous. Ils nous font croire, comme qui dirait, nous dépendons d'eux. Quelles sont les ressources du sous-sol de la France? La France sans l'Afrique, c'est un pays du tiers-monde. C'est eux qui ont besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. Les sanctions que subissent beaucoup de pays qui sont qualifiés comme étant des États voyous par le bloc occidental, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. On va prendre le cas de la Russie qui subit, on va prendre le cas de l'Iran
deux États qui ont subi des sanctions économiques de la part de bloc de l'Ouest. Est-ce que nous pouvons tenir si nous sommes sanctionnés? La Russie a tenu. Aujourd'hui, l'Allemagne est presque en récession. L'Europe, la croissance économique est presque au ralenti. Mais la Russie se comporte très bien. Ils ont contourné toutes ces sanctions. Nous avons des économistes. Nous allons tous ensemble dans les mêmes universités. Ils ne peuvent plus, il ne faut pas qu'on soit complexé. On va dans les mêmes universités. Donc ça veut dire que s'ils ont des experts, nous avons aussi des experts. Nous devons nous serrer les coudes face à cette guerre. Alors, si nous voulons qu'ils demeurent, qu'ils restent chez nous, qu'on ne pleure plus, qu'on ne se lamente plus, c'est tout. En tout cas, on est tous à la pragmatique sur terrain. L'économie de la Bichou est très faible. Très faible par rapport à quoi? Quelles sont d'abord les denrées que nous prenons des Américains? Quelles sont les choses des Américains qui se vendent ici? Notre économie est tournée aujourd'hui vers la Chine. Ce n'est pas vers les États-Unis. C'est vers la Chine. Nous avons des bons rapports avec les Chinois. Nous avons des bons rapports avec les Indiens. Ils sont nombreux d'ailleurs ici. Alors, pour moi, je trouve qu'on doit se serrer les coudes, qu'on trouve que nos experts regardent si on frappe des sanctions, comment nous pouvons contourner ces sanctions-là, c'est tout. Qu'on les inscrive aussi comme étant des pays voyous. Pourquoi seulement eux qui doivent nous inscrire, nous? Et vous pensez que faire partir les États-Unis et la France, et au même la solution, on a dit qu'en Italie, pacification, la guerre, il y a extrêmement... Parce que l'Amérique n'acceptera jamais que le Congo lui tourne le dos. Jamais. Nous sommes un pays solution. Alors, s'ils ne veulent pas être des partenaires privilégiés... C'est un moyen de pression. Un moyen de pression, oui. S'ils ne veulent pas écouter, qu'ils s'en aillent. Est-ce que vous ne craignez pas que nos dirigeants subissent des sanctions? Parce que selon l'histoire, Lumumba a été assassiné notamment par les services de renseignement américains. Laurent Désiré Kabila a subi aussi les frais de la même... des mêmes États-Unis. Est-ce que vous ne craignez pas que nos dirigeants puissent subir les sanctions? Si nous sommes déjà au courant qu'on a tué Lumumba, on a tué Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui nous avons Tshisekedi qui est là-bas, il faut qu'on soit en avance. Il y a beaucoup de pays de pression. L'Iran, c'est un pays de pression. La Russie est là. Pourquoi leur chef d'État continue à vivre? Et le nôtre, on doit les tuer. Tshisekedi, on ne le tuera pas. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi veut continuer à parler avec eux, il peut continuer à parler avec eux, c'est la politique. Mais nous, c'est le peuple congolais. Nous sommes tous les Wazalendo. S'il refuse que l'armée congolaise entre au Rwanda, nous, le peuple, nous allons entrer jusqu'au Rwanda. Mais... c'est le peuple. Ce n'est pas l'armée. C'est le peuple, ce n'est pas l'armée. Ouais. Ma collègue a parlé de la situation économique du pays. Est-ce que vous pensez que votre... ces propositions que vous faites sont vraiment réfléchies, pasteur? Très réfléchies. Comment ça? Très réfléchies. Mais pourquoi alors, si ce n'est pas réfléchi, qu'on arrête, si on ne veut pas trouver des solutions, qu'on arrête de se plaindre? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne font que se plaindre. On ne trouve pas de solution. On a été à la CAN le matin, tout le monde se plaignait. Mais, et pourtant... nous avons Canal Plus qui est là, on a des chaînes, je sais pas, des Canal Plus qui a refusé de diffuser, qui sont là, à l'aise, très bien. Je vais vous donner encore un autre exemple. On a le monsieur, le président de quel pays là, le Kenya. Il était encore vice-président à l'époque, qui nous a insultés, dénigrés devant le monde entier. Que nous, c'est seulement la danse, la bière, les femmes et ainsi de suite. Et les Congolais ont pleurniché. Nos médias, tout ce qu'ils font, c'est pleurnicher. Aucune réaction. Il devient président de la République. Il prend Corneille Nangaa. Il l'amène chez lui. C'est chez lui que Corneille Nangaa fait une déclaration qu'il est devenu aussi terroriste. Pour menacer son pays. Et pourtant, nous avons des bonnes relations avec le Kenya. Kenya, où ils arrivent chez nous. Nous avons des banques du Kenya ici chez nous. Mais pourquoi nous faire une affaire comme ça? Le lendemain, les Congolais commencent à pleurnicher. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables ni faire face aux États-Unis, ni à la France, ni au Kenya, ni au Rwanda, ni à la Zambie. Dans tout ce que nous voulons prendre comme mesure, c'est il faut réfléchir, ça va être comment, ça va se passer comment. Mais les autres, comment ils font?
Il y a acte de vandalisme, acte de violence, et ça l'a mis samedi dernier. Bitoket a beaucoup réagi. Alors, il y a acte où on a dit acte comme un crime de guerre contre la RDC. Les premières personnes qui ont des crimes de guerre, d'abord eux-mêmes, l'ONU, ils ont déjà tué nos frères. L'ONU, là. Je pense qu'ils doivent. Elle n'a pas trouvé une occasion pour se taire. Là, nous sommes déterminés. Le Congolais, ils nous ont pris comme des larbins, comme de cons. Mais là, en ce moment, nous sommes déterminés. Je peux d'abord le dire. On nous a fait croire qu'on aime seulement l'ambiance, qu'on aime la distraction. C'est faux. C'est un message des Occidentaux et qu'ils ont mis dans la tête même des Congolais. Partout où vous allez trouver que les Congolais ont toujours été les champions, les premiers. Allez dans l'NBA aux États-Unis, vous allez trouver des Congolais. Mais il y a des nations ici, même en Afrique et même en Europe, qui n'ont même pas des gens qu'on peut reconnaître ailleurs. Dans les grandes universités, vous allez trouver même des professeurs congolais. Les pasteurs, je suis un pasteur congolais, au Canada là-bas, c'est mon église là, vous arrivez au niveau de Québec, il n'y a personne, c'est mon église, j'ai la grande église de Québec. Partout dans le monde, vous allez trouver des gens, dans les milieux d'affaires, vous allez trouver des Congolais. Pourquoi la danse congolaise, la musique congolaise dérange tant? L'Américain a toujours dansé, on a eu des Michael Jackson, l'Amérique a déjà été en guerre, l'Amérique a été attaquée, mais on a vu le catch américain qui circule partout. Mais pourquoi quand c'est les Congolais qui dansent, c'est un problème? Les Ivoiriens ont toujours dansé aussi, les Sud-Africains ont beaucoup souffert, ils ont toujours dansé. On a voulu nous faire passer un message que nous ne sommes pas capables. Même gérer notre pays, Macron est venu nous le dire en face, où il nous a quasiment insultés. On n'est même pas capable de structurer et d'organiser notre pays. Et pourtant, ce sont eux qui nous poussent, qui font en sorte qu'on n'organise pas notre pays, qu'on ne s'organise pas bien. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi qui veut commencer son deuxième mandat. Avant même qu'il commence à travailler, ils sont énervés parce qu'on a voté en masse. Ils nous commencent des guerres inutiles. Mais écoutez, moi, de tels partenaires, je n'en veux pas. Mais la France qui dit que cette guerre est une guerre entre Congolais, vous devez vous parler entre vous. C'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte. Kagame n'est pas Congolais. Kagame n'est pas Congolais, je suis désolé. Il n'est pas Congolais. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin des Français dans cette guerre. Vous savez pourquoi la guerre ne va jamais se terminer? Vous savez pourquoi manifester aujourd'hui, aller dans les capitales du monde entier, ça ne sert absolument à rien? Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont supposés être les juges, ce sont eux qui nous agressent. En fait, le M23, c'est qui? Le M23, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre. C'est eux le M23. Ils se cachent. Kagame, ils nous font une guerre par procuration. Kagame, c'est juste un commissionnaire. Comment voulez-vous? Kagame peut être comment? Capable de faire une guerre pendant 30 ans. Il fait la guerre pendant 30 ans. Un tout petit pays minuscule comme ça. Il y a beaucoup d'États dans le monde. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Angleterre. Pourquoi seulement les États-Unis ou la France? Pourquoi seulement ces États-là? Mais c'est parce que ce sont eux qui ont la même mise sur la politique ici, beaucoup plus en Afrique. Quand vous regardez Macron par rapport à Kagame, vous allez même, le Paris Saint-Germain, on écrit même visite Rwanda. Pendant que tout le rapport des Nations Unies nous montre que le Rwanda, c'est un pays qui est en train de tuer nos frères, qui agresse le Congo. Mais ça ne les gêne pas d'écrire visite Rwanda. Ça ne les gêne pas. Si c'était le Congo, ça devait être un problème. Il faut les sanctionner. Il faut ceci. L'Amérique, c'est eux qui font toujours des veto. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, monsieur le journaliste, que nous sommes un pays en guerre, mais on nous a interdit, on nous a donné plutôt l'embargo sur les armes. Il n'y a pas longtemps qu'on a levé cet embargo après vraiment une pression, alors pression diplomatique. Alors, et lorsque nous achetons des armes, maintenant ils nous interdisent d'attaquer le Rwanda. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des États-Unis pour aller frapper le Rwanda. On n'a pas besoin de leur autorisation. Nous sommes agressés. Nous sommes le seul pays du monde où nous voyons notre agresseur. On prend même les photos avec des drones. On le voit, il est là. Mais on ne l'attaque pas. Allez essayer ailleurs. Le Hamas a essayé avec Israël. Nous savons ce qui se passe. Oussama Ben Laden a essayé aux États-Unis. Nous savons la suite. Le gouvernement parle d'une agression pendant que Libanda Mboka Bazolo Beda rébellion pour les Congolais dans le cadre de M23. Non, mais c'est ce qu'ils font. Il faut prendre des Congolais, les mettre dedans,
pour essayer de donner la légitimité à cette affaire-là. Mais tous les rapports, même internationaux, prouvent que c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les Congolais. Et je voulais même dire par là, deux fois, on dirait que nous sommes naïfs. À la fois, nous voulons une chose et son contraire. Nous avons des gens comme le colonel Nanga. Il s'autoproclame être maintenant terroriste. Mais nous avons des maisons, des biens de colonel Nanga dans le pays. Ce n'est pas inquiété. Mais on doit mettre de loi pour que si un Congolais se retrouve de l'autre côté, tout ce qu'il a comme bien, l'État doit les saisir, les vendre ou les utiliser. Ça devient le bien de l'État. Ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. Alors, le chef de l'État disait à la montre d'Escarmouche, il va déclarer la guerre. Vous pensez que c'est une solution qu'on déclare la guerre au Rwanda? Oui, mais il faut taper le Rwanda pour qu'ils arrêtent. On envoie des bombes chez vous tous les jours. Vous n'avez jamais répliqué, même pas une seule fois. C'est pourquoi tout le monde se moque de nous. Mais est-ce que nous ne devons pas évaluer d'abord nos capacités de nuisance quand le secrétaire général de l'ONU dit que l'M23 a une armée sophistiquée plus que les Nations Unies? Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord nous évaluer nous-mêmes avant de nous lancer dans la guerre? Et je pense qu'il a un problème dans sa tête, celui-là. Il a un problème. Je suis indigné face à ces gens-là. Ils sont malhonnêtes et ils ne sont pas sérieux. C'est pourquoi je dis que c'est des voyous. Ils sont vraiment pas sérieux. Si le M23 a des armes sophistiquées, alors qui les lui a données? Qui lui a fourni ces armes-là? Et aujourd'hui, ils veulent, c'est pour essayer de nous dissuader, de nous faire peur. Mais on n'aura pas peur. Le Rwanda ne nous fait pas peur, ni la Pologne, qui est aujourd'hui derrière le Rwanda. La Pologne, c'est un pays du tiers-monde. C'est même rigolo, c'est un pays du tiers-monde. Les femmes de ménage chez moi, là-bas, au Canada, c'est des Polonaises. Mais est-ce qu'on se pose c'est des pays question, du tiers-monde. On se pose la question, pourquoi Bayenion Sobazan na sima ya Rwanda? Est-ce que lobbying n'a bisou à Makas? Est-ce que diplomatie n'a bisou des opposés problèmes? Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui veut vous faire du mal intentionnellement. Il veut vous faire du mal, qui ne vous aime pas. Et quel que soit ce que tu fais, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas fait? Qu'est-ce que le président n'a pas fait jusqu'à aller saisir, toucher la main de Kagame pour lui dire « Non, tu es mon frère, l'appeler mon frère. » Les Congolais étaient là en train de regarder. Mais est-ce que vous pensez que c'est des gaietés de cœur qui le faisaient? Ils voulaient la paix. Ils voulaient finir cette guerre. Mais on nous a pris comme des imbéciles. Ils ont fait semblant de dire « Ok, nous sanctionnons le Rwanda, on ne va plus avoir des coopérations militaires avec le Rwanda. » On était tous contents. Waouh, la diplomatie a payé. Mais c'est faux. Ils vous font tourner en bourrique. Vous tournez en bourrique. Maintenant, quand on veut frapper le Rwanda, pourquoi ils font pression sur le chef de l'État? Pourquoi ils font pression sur le chef de l'État? Et chaque fois, on veut taper. Non, mais si le Rwanda sait que c'est un tout petit pays, pourquoi il va provoquer un pays qui est plus puissant que lui? Ils doivent arrêter de nous provoquer. Nous n'avons plus besoin de diplomatie. Cette diplomatie-là, ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, chaque peuple est une arme. Au Vietnam, les Américains ont fui parce que les Vietnamiens se sont levés. Et aujourd'hui, les Congolais doivent se lever. Je ne parle pas parce que je suis politicien, je ne le suis pas. Je suis un homme d'église, je suis un Congolais, je suis un homme d'affaires. Point barre. Pour vous, la solution passera par la révolte. Et Lelo, ouais. Est-ce que ce qui alors que ben abatu bazolo bana kati na biso moko toza ya kosangana te toza ya kokabwana ba politiciens mi bazo senga dialogue ya mboto kene to bondisa bango. Combien de politiciens demandent des dialogues? Ils ont fait combien de pourcents d'abord aux élections? Combien de pourcents? Le président Tshisekedi est majoritaire, il est aimé. Mais ici il s'agit du pays. Oui, mais il s'agit du pays. Mais oui, il s'agit du pays, mais il faut regarder maintenant le peuple derrière qui? Le peuple derrière son président. Nous soutenons notre président. Et je pense que tout Congolais sérieux, moi je connais des politiciens comme, il y a un ancien premier ministre là. Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito, merci. Adolphe Mouzito qui avait même proposé de construire un mur. Je ne pense pas que lui là, il est aussi opposant. Il peut chercher un dialogue. Non, voilà un Congolais qui est debout, on construit un mur. Il faut qu'on construise ce mur là. Si nos enfants...
Des générations après viendront casser ces murs, ils viendront le casser. Mais pour nous d'abord, de cette génération, on doit construire un mur. Couper, carrément, couper des relations. Dans le passé, on a eu, dans les anciens gouvernements, vous avez cité le gouvernement de Mouzito, quand il fut Premier ministre, il y a eu des accords qui furent signés à son époque. Et beaucoup, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'analystes pensent que ces accords, aujourd'hui, nous ont plombés, nous ont poussé à avoir une armée infiltrée, nous ont poussé à avoir une administration infiltrée. Est-ce que c'est, vous pensez que nous n'avons pas de problème d'abord en interne avant de penser à aller à l'extérieur? Il y a un grand nettoyage qui a été fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur parce que nous avons un fils du pays à la tête du pays. C'est un fils du pays qui dirige ce pays, des pères et des mères. Alors, il y a un grand nettoyage qui a été fait et je pense que nous n'allons pas attendre. Le fait d'attendre, la guerre continue. Il faut faire des choix. Soit on choisit de se taire, on continue à être des esclaves des Occidentaux et des Rwandais, on continue à nous tuer, à violer nos femmes, à les égorger comme des moutons, ou nous disons non, il faut que ça s'arrête maintenant et tout de suite. Pourquoi au premier mandat, on n'a pas su mettre fin à l'insécurité, selon vous? Pourquoi au premier mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, on n'a pas su mettre fin à l'insécurité? Non, au premier mandat du chef de l'État, tout a bien commencé. Et puis, tout d'un coup, quand il les a gérés, il a commencé à verrouiller les vannes là où sortaient les minéraux, les problèmes ont commencé. C'est ça le problème. Le problème, c'est les problèmes de nos minéraux. Lorsque on essaye de bloquer, gérer les choses, parce que le minéraux nous appartient, c'est à nous. C'est nous, c'est pour nous. C'est pas pour le Rwanda. Et c'est par là que commencent maintenant les histoires. Alors, ce n'est pas juste au premier mandat. Déjà, au premier mandat, ça a commencé. Mais il ne peut pas mettre un terme à cause de ces Américains. Il a cru que ces gens-là étaient de bonne foi. Et on a tous cru que les Français, les Américains, ils sont là, on a commencé à dénoncer. C'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Ok, tout est correct. Ça va, on reconnaît que c'est le Rwanda. On va les sanctionner, mais il n'y a pas de sanction. Parce qu'en fait, ils ont sous-estimé le paysan Tshisekedi, mais il les a pris au piège. Ils sont pris au piège. Le Rwanda a été identifié comme étant agresseur, identifié partout dans tous les rapports, et maintenant, condamner le Rwanda, ils ne sont plus capables de le condamner. Là, en ce moment-là, nous devons prendre acte que vous refusez de condamner le Rwanda, alors quittez notre sol. Et pourquoi vous condamnez la CAF? Parce qu'ils ont refusé de diffuser les images, diffuser de la guerre au Congo, du génocide, même. Les Juifs, ils ne sont pas morts autant que les Congolais. C'est le double, plus même. On a 6 millions de morts des Juifs et on parle du génocide. Au Rwanda d'ailleurs, pour moi, un génocide entre guillemets, parce que je ne crois pas en cela. Moi, je sais qu'ils se sont entretués. Il y a eu des Tutsis qui sont morts. Il y a aussi des Tutsis qui ont tué les Hutus. Alors pourquoi c'est seulement parler du génocide des Tutsis? Non, les Tutsis ont tué aussi. Habyarimana qui est mort, il n'était pas Tutsi. Qui l'a tué? Ce sont eux qui l'ont tué. Parce que l'histoire dépend de celui qui la raconte. Je suis assez intelligent pour comprendre que non, là on nous emmène en bateau. L'histoire dépend de celui qui la raconte. Alors, aujourd'hui, pour nous, nous disons non. Nous avons 15 millions de morts. Pourquoi tous ces Américains et ces Français, ça ne les indigne pas? Pourquoi 15 millions de morts, ça n'est assez. Soit ils quittent notre sol, soit ils mettent un terme à ce qui se passe. Mais si ça n'arrive pas, si ce que vous proposez n'est pas... Non, ça va arriver. On va chasser les Américains. Oui. D'un coup? Ils vont partir. Oui, oui. On va chasser... Oui, oui. Ils vont partir. Ce mouvement qui a commencé ne va pas arrêter. Je suis désolé, ça ne va pas arrêter. À moins que le chef de l'État dise non, laissez, je suis en train de m'en occuper, on continue encore à mourir à l'Est. Là, nous, la population, on va se lever les mains. Tant que Monisco a déjà lancé à Kokende, selon Dengue. Surtout eux là, il faut qu'ils partent. On a été tolérants. Ils ont même été capables de tuer des Congolais. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait? Rien. Il y a des Congolais qui sont morts. Ce n'est pas un film de dessin animé où quelqu'un qui tombe et puis il se relève. Ils sont morts, c'est fini, ils ont perdu la vie. On ne les reverra plus jamais. Mais ils continuent à circuler chez nous, ils font même des communiqués. Ça ne peut arriver qu'en RDC. Ils font même de communiquer. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent faire ça en Iran? Ils peuvent faire ça en Irak? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça vers les Hamas? Est-ce que les Congolais n'ont pas leur part dans cette tragédie?
Ils n'ont pas quoi? Les Congolais n'ont pas leur part dans ce que nous vivons aujourd'hui. Une part, je ne pense pas. Non. On n'a pas cherché ça. Tout ce qui nous arrive, c'est... C'est de leur faute. Ils veulent nous faire croire que c'est de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Pourquoi? Parce que, écoutez, si eux, ils s'estiment être les gendarmes du monde, les États-Unis ne collaborent pas avec les terroristes. Pourquoi ils nous poussent, nous, à collaborer avec les terroristes? Pourquoi? Pour nous, les M23, c'est des terroristes. Pourquoi nous, ils doivent nous pousser à collaborer avec les terroristes, mais eux, ils n'ont pas le droit de collaborer avec les terroristes? Le Hamas, Israël a le droit de se défendre contre les Hamas. Regardez ce qui se passe en Israël. Mais cependant, nous, on n'a pas le droit de se défendre contre le Rwanda. On n'a pas du tout le droit. Les Américains sont des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des extraterrestres. S'ils ont échoué au Vietnam, ils ont échoué en Somalie, s'ils ont échoué là-bas, on les a déjà chassés une fois, je crois que c'est en Libye où on a chassé les Américains, où leur ambassadeur avait même perdu la vie. Je ne le souhaite pas pour le Congo. Je veux tout simplement qu'on les fasse monter dans l'avion calmement, les mains nues, qu'ils montent avec leurs diplomates et qu'ils s'en aillent, qu'ils quittent notre terre. On ne le veut pas. Pour nous, les Américains seront considérés comme le Hamas. Ils seront comme le Hamas. Les Français seront considérés comme le Hamas pour Israël. Ça sera la même chose. Les Hamas sont considérés comme étant des terroristes. Oui, mais ils sont terroristes parce qu'ils sont du côté du M23. Il faut qu'on parle dans quelle langue pour qu'ils nous comprennent. Il faut qu'ils nous prennent au sérieux. Les Congolais ont peur de parler. Pourquoi? On va donner des sanctions. Tu ne vas pas voyager aux États-Unis. Ils vont fermer les comptes. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Non, écoutez, c'est des bêtises. Mais c'est là le problème. Tant que les gens sont au Kenendengo, au Lingi, à Nguessa, les Mabongo, chômage et au Kota, à Mboka, et bien, à Bato, à Engagé, à Nabarozoa. Le problème, c'est est-ce que vous ne craignez pas une crise dans Katia Mboka? Maman Naomi, Tozan a combien d'entreprises américaines dans Mboka Nabiso? Bako sakabiso batouana. Ceux qui ont une entreprise américaine, ils allaient qui n'ont pas de cannabis, batouba d'inga qui bat les latés. Chômage et l'inga qui est zalaté. On a le chômage parce qu'on n'a pas des entreprises américaines. Où sont les entreprises américaines dans notre pays ici? Il n'y en a presque pas. Ils sont toujours là où il y a des mines. C'est là où ils sont. Pour prendre nos minéraux. Où sont les entreprises vraiment françaises qui sont ici? On a tout ce qui est français, c'est les Air France ou les autres, les Canal Plus, les Orange, les ceux-ci. Je ne sais même pas si ces gens-là payent les taxes. Il faut même le suivre. Que IGF aille d'abord voir si les Orange ici nous payent nos taxes. Ils payent combien? Ils nous doivent beaucoup d'argent. Ils ne payent rien. Ils sont dans nos pays, les Vodacom, ils ne payent rien. Alors si nous mettons fin à nos relations diplomatiques avec la France et tous ces États-là, parce qu'un État ne peut pas évoluer quand même en autarcie, en vase clos. Il nous faut des partenaires, nécessairement. Mais il y en a beaucoup qui vous tendent déjà la main. Comme qui, par exemple? On a beaucoup de gens qui sont nos partenaires. La RDC ne peut pas manquer le partenaire. La RDC, c'est comme la plus belle femme. Donc, quand vous la regardez, écoutez, c'est la belle femme du quartier, la belle fille là, que tout le monde désire. C'est ça, la RDC. Il faut que cette fille accepte de se donner maintenant de la valeur. Qu'on ne la prenne pas pour 10 sous. Non. La Chine nous regarde, nous fait des beaux yeux. Avez-vous vu comment est-ce qu'ils ont reçu le président Tshisekedi lorsqu'il est parti en visite officielle chez eux? Les Américains nous méprisent. Les Français nous méprisent. On a eu l'investiture du chef de l'État. Tous les pères africains, les chefs d'État africains étaient ici. De l'Afrique du Sud jusqu'au Sénégal, en passant partout, ils étaient ici. Les Américains étaient là. Ils ont envoyé une délégation, je ne sais pas s'ils nous ont envoyé un plombier ou je ne sais pas, un badaud ou quoi là-bas, tout ça. Allez, ils envoient. Même pas un secrétaire d'État. C'est du mépris. Moi, quand je regardais ça, je dis, waouh, ces gens nous méprisent vraiment. Biden peut être indisposé, vu même son âge, ou bien il a beaucoup de choses à gérer, ok. Mais du moins, envoie-nous quelqu'un qui peut valablement représenter l'Amérique. Mais Blinken, qui voit la situation... persévère comme tel, dit que les Congolais, la situation du Congo, il faut nécessairement qu'il y ait un processus diplomatique pour sortir le pays du Congo. Non, on a tout fait diplomatiquement. On a tout fait. Regardez le vieux Lutundo là. Il a même pris un coup de vieux à cause de la diplomatie. Il est tout le temps dans l'avion. Écoutez, c'est un chevronné.
On a tout fait. Le président Tshisekedi, si il faut lui donner même un prix, on peut dire que c'est un fin stratège diplomatiquement. Il a tout fait jusqu'à serrer la main de Kagame. Jusqu'à jouer aux gentils. Mais écoutez, Binklen, c'est un homme. Comme je l'ai dit, c'est un être humain. Nous, on n'a pas, et eux n'ont pas de leçons à nous donner, tout comme nous, on n'a pas les leçons à leur donner. Pour le sujet de dialogue, il y a des gens qui ont besoin d'Israël, même MONUSCO, ils ont des assos sur notre côté. Ils nous parlent du dialogue parce qu'ils ont des minéraux, ils ont des intérêts de l'autre côté. Ils veulent nos richesses. Alors, quand on va aller au dialogue, c'est pour parler avec qui? Avec le M23. Pendant que nous, sur terrain, là-bas, on est en train de malmener le M23. Il y a quand même le rapport de force. Pourquoi nous allons négocier pendant que nous gagnons sur le terrain? Ils ont tout essayé pour nous repousser, ça ne marche pas. On refuse le dialogue, on ne parlera pas. Moi, je demanderai même au gouvernement de saisir tous les biens de toutes ces personnes qui sont impliquées dans la guerre avec le M23. On doit même voter une loi. Tu vas de l'autre côté, on a les John Numbi. Mais on va te parler de la ferme de John Numbi, on va te parler de ceci. Je dis, mais est-ce qu'on fonctionne correctement, nous les Congolais? Il faut tout réquisitionner. Les maisons des Nanga, les biens des Nanga, il faut tout prendre. Parce qu'on doit arrêter cette guerre. Ça fait mal de voir les gens mourir. On n'a pas besoin de négocier avec ces gens-là. C'est terminé le temps des négociations. Que répondez-vous à Kagame qui dit que la situation du Congo, c'est dû, la situation de cette région des Grands Lacs est due notamment au partage de l'Afrique pendant la conférence de Berlin qui n'a pas été bonne, une partie du Rwanda a été prise pour être annexée au Congo. Donc l'ancien royaume Rwanda, une partie du royaume Rwanda se trouve maintenant au Congo. Le problème en est que c'est parce que nous les Congolais, quand Kagame parle comme ça, on se met à pleurer, on se met à dire Kagame a parlé. Kagame c'est qui? Kagame c'est qui? C'est un président d'un tout petit pays comme ça. Il est qui? C'est des bêtises ce qu'il raconte. Le seul plaisir que le président de la République peut nous offrir, nous Congolais, c'est d'entrer au Rwanda, de prendre Kagame, de le saisir vraiment, de le faire prisonnier et de venir le faire juger, de le juger ici, chez nous, au Congo. Et nous en sommes capables d'aller nous promener vraiment au Rwanda. Même aujourd'hui, on peut se promener, arriver même à Kigali. Kagame, c'est qui? Kagame parle, il veut lui reconstruire maintenant la carte géographique. Lui, Kagame, en tant que qui? Son arrogance lui vient tout droit des États-Unis et de la France. C'est pourquoi il est arrogant, il sait qui est derrière lui. On a déjà identifié l'ennemi. Ces Américains-là, même les Israéliens, tous ces hommes-là, ils ont des avantages là-bas à l'Est. C'est pourquoi ils parlent, non, il faut qu'on négocie. Il n'y aura pas de négociation. Cette fois-ci, le peuple s'est déjà levé. Ce n'est plus une affaire du président Tshisekedi. C'est une affaire du peuple. De la même manière qu'ils ont fui en Somalie. S'ils se moquent de nous, pensant que les Congolais vont encore lâcher, on ne lâchera pas. Et vous pensez que nous sommes sur la bonne voie? Très bonne voie. Et ils vont nous respecter. Sur la très bonne voie. Ils ne nous respectent plus. Je vous ai dit ici, à l'évêché du chef de l'État, on nous a envoyé des qui? Une délégation. Ouais, une délégation. Hein. C'était composé de qui? Nous-mêmes, les Congolais. C'est composé de qui? La France même. Ouais. On n'a pas même envoyé son premier ministre. Si Macron ne pouvait pas venir, on pouvait même envoyer un premier ministre. Il n'y a même pas eu un premier ministre. Pendant qu'il y avait des chefs d'État. On ne dit pas qu'il n'y avait même pas de chef d'État. Non, il y avait des chefs d'État. Même Macron, là, il s'est permis de nous envoyer n'importe qui. Je ne sais pas si on nous envoie un infirmier ou... Je ne sais pas. Pasteur Paul Mukendi, les salaires des ministres, les salaires des députés nationaux, quand vous les comparez aux salaires des militaires qu'on envoie au front, est-ce que vous pensez que nous pouvons gagner la guerre avec cette inégalité sociale? La guerre, on va la gagner. La guerre, on va la gagner. Il ne faut pas inciter les militaires à ne pas se battre pour dire qu'ils n'ont pas assez de salaire. Cette injustice, on a donné un mandat, la population a donné un mandat clair au chef de l'État. C'est pour que c'est le fils de Tshisekedi qui est quand même au sommet de l'État. Il faut qu'on arrête cette injustice. C'est du banditisme de se donner 21 000 dollars dans un parlement. Parce que même un parlementaire canadien n'a pas ce salaire-là. Même un parlementaire français n'a pas ce salaire-là. Il faut que ça s'arrête. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Il faut qu'il y ait un partage équitable des richesses au Congo. C'est pas parmi les raisons qui, quand même, nous dérangent un peu, ne nous permettent pas d'être assez efficaces sous le flot. C'est pas parmi les raisons. Les raisons qui font que la guerre continue, c'est les États-Unis. C'est la France. Ça,
Je le dis et je persiste. On dit que les Congolais vendent les cartes, les Congolais vendent, vendent la mèche à l'ennemi. Ils sont corruptibles très, très, très facilement. La corruption, ce n'est pas juste au Congo, même aux États-Unis, ils sont corruptibles aussi. Hein. Même au Canada, ils sont corruptibles. En France, ils sont corruptibles. Selon le dernier rapport, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus au monde. Oui, mais il y a la corruption parce que économiquement, ça ne marche pas bien. Quand vous avez un pays où économiquement, ça ne marche pas bien, il y a la corruption partout. Mais si ça marche correctement économiquement, cette corruption aussi va baisser. Il faut qu'on fixe même le seuil du salaire minimum au Congo. On ne peut pas accepter qu'on paye aux gens 50 000 francs, 60 000 francs pendant qu'ils travaillent. Tous ces Indiens qui se font l'argent, qui ont construit des immeubles ici, qui font payer à des milliers de dollars, mais qui payent le personnel à 100 000 francs, on donne là-bas un 100 dollars, c'est fini. Non, il faut que la richesse soit bien redistribuée. Oui. Est-ce que les salaires de nos pays voisins, nos 9 pays voisins, quand on voit les militaires de tous les 9 pays voisins, on compare à nos militaires, est-ce qu'ils sont dans les mêmes conditions? Je pense qu'on va, changer ces choses. Je pense que ça va changer. Le Congo, on ne peut pas le comparer aussi avec les autres. Quand vous prenez un pays comme le Rwanda, ils sont tout petits, un tout petit pays comme ça. Mais tandis que les Congolais, on est quand même 150 millions avec une économie qui ne marche pas. Maintenant, je pense qu'ils doivent bien redistribuer la richesse, que tout le monde puisse quand même en bénéficier. Nous venons de loin avec des pays où on parlait seulement des carrés miniers. Vous allez partir à côté, à gauche, carrés miniers. Bon, écoutez, avant, on parlait de la Gécamine. Aujourd'hui, les carrés miniers, ça a profité aux individus. Ça ne profite pas au pays, mais ça profite aux individus. Il faut mettre un terme à toutes ces choses pour que la richesse soit bien redistribuée, que tout Congolais se sente bien. Vous pensez que l'homme politique congolais a une part de responsabilité dans Mayo et Saliko Sel et Mamabé dans Bokanabiso? Pas par rapport à la guerre, non. C'est une guerre injuste qu'on nous a imposée. Mais économiquement, il y a des choses à améliorer. Ouais, pour la redistribution de la richesse. Ça, je dis non. Parce que ça peut ne pas être bien économiquement. Brazzaville, ici, mon papa me dit que c'est le paradis. Il y a beaucoup de pays économiquement. Aujourd'hui, l'économie de l'Angola, c'est difficile. Ils sont en récession depuis très longtemps. Mais cela ne veut pas dire qu'on l'a imposé la guerre. À cause qu'économiquement, ça ne marche pas. Et c'est fini. Il y a une guerre qui s'impose. Donc, je ne mets pas les deux dans la même balance. La guerre nous a imposé pour nous piller. Mais économiquement, ça, c'est une mauvaise politique. Parce qu'on avait eu des gouvernements des pilleurs. Moïse Katumbi dit que c'est un problème de leadership. C'est le leadership qui est défaillant. Quand on aura un bon chef de l'État, en tout cas, cette guerre prendra fin. Il avait même donné 6 mois, simplement. Oui, mais je pense que lui, si on doit parler de leadership, c'est pas Moïse Katumbi qu'on va mettre là-bas en tête. Il a donné 6 mois. Non, mais si on parle du leadership, c'est pas de Moïse Katumbi qu'on va quand même aller écouter pour être un leader. Je pense que lui, il a même un problème d'abord, même pour conjuguer ou juste dire une phrase correctement, il a un problème. Alors, il va devenir quel leader? Non, il n'était pas deuxième, il était aussi dernier. Parce que deuxième, c'est quelqu'un qui pouvait avoir aussi peut-être 40% ou autre chose comme ça, ainsi de suite. Écoutez, si vous avez un premier qui a 80%, un deuxième qui a 10%, vous voulez l'appeler deuxième. Il n'était pas deuxième. Il était aussi à la queue leu. Ouais, il était aussi dernier. Je suis désolé, il est aussi dernier. Il peut même pas parler au président. Non, il était dernier. Si le président Namawanae, il peut peut-être dire, bon, Katumbi, qu'est-ce que tu as à dire? Ou les autres Fayoul, ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'aujourd'hui, le peuple lui a donné un mandat clair. Vas-y, mets-nous ce pays en ordre. C'est ça le mandat. Félix Tshisekedi a été élu, non pas parce qu'il a bien dirigé, je ne sais pas, le Congo d'une certaine façon. Non, on n'a même pas regardé d'abord le bilan. On met de côté, on a voté le fils du pays. On n'a pas voulu mettre des étrangers à la tête du pays. Alors, c'est clair, il doit satisfaire les Congolais, parce que c'est les Congolais qui parleront de lui, même 100 ans après, dans les écoles, ce ne sont pas les Américains ni les Français. On n'étudiera pas dans l'histoire des États-Unis ni de la France le nom de Félix Tshisekedi. Non. Quand vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, ils parlent de leurs héros. Ils vont parler de Franklin, ils vont parler de George Bush, ils vont parler de Clinton, ils vont parler d'Obama, ils vont parler de Washington, mais ils ne vont pas parler de Tien Tshisekedi. Ils ne parleront pas de Lumumba, non. Alors que France, l'Ukraine est attaquée, Tomoni Macron entouré de président Mosusu Yakala pour nous consoler les Camboyango. Qu'est-ce qui manque
au président Tshisekedi de tendre la main au président Kabila, au président honoraire Kabila. Si nous sommes dans ce trouble ici, madame, c'est à cause de ce président-là, Kabila. Si nous sommes dans ce trouble ici, c'est à cause de Kabila. Si le président, l'ex-président Kabila, pouvait venir, d'abord, on a eu l'investiture du chef de l'État. Il n'est pas venu. Il a manqué un moment historique de sa vie. Il a manqué. Et je pense que ne fût-ce qu'à ça, il faut le punir. Juste pour ça. Selon ses collaborateurs, il n'est pas honoré à sa juste. Et il veut être honoré comment? Il veut être honoré comment? Considéré. Il nous a pillés, il nous a spoliés. Il a construit même une ferme de rêve que même un président américain n'a pas. Il voulait qu'on honore comment? On lui a tout laissé. Le président Tshisekedi a été trop gentil, plus que gentil même. Il lui a tout laissé. Il a des fermes partout. Il peut circuler librement. Il veut qu'on l'honore comment? Qu'on aille le laver maintenant, qu'on fasse quoi? Qu'ils viennent, c'est leur pays. S'ils pensent que c'est leur pays, qu'ils viennent. Est-ce que moi, quand je suis en train de parler du Congo, on m'a payé? On m'a payé? On ne m'a pas payé? Mais qu'ils viennent pour dire, ok, je suis là, j'ai une pensée à donner. Qu'ils viennent donner une main d'association. Pourquoi il faut que le président de la République les appelle? Pour qu'ils disent, voilà, il a besoin de nous. Il est chef de l'État. On doit respecter notre chef de l'État. On doit respecter notre État. On doit aimer notre État. Ils doivent aller vers le président pour dire, nous sommes là. Si vous avez besoin de nous, nous voici, nous sommes là. C'est tout. Vous dites apparemment deux réalités qui ont tendance à s'opposer. Vous dites, c'est Kabila qui est à la base de nos malheurs d'aujourd'hui. Ouais, l'infiltration. L'infiltration. D'autre part, vous dites, ce sont les Américains. Mais quelle est la vérité finalement, pasteur? Les Américains ont choisi un pays sanguinaire. Ils n'ont pas choisi le Congo-Brazzaville, ni l'Angola, ni la Zambie, parce que ce n'est pas des tueurs. Il fallait prendre des Rwandais parce que ce sont des tueurs. Eux, ils tuent sans pitié. C'est dans le sang, c'est dans leur ADN. Massacrer, tuer. C'est pourquoi ils ont choisi le Rwanda. Et quand ils arrivent avec Laurent Désiré Kabila, ils le tuent. Et ils ont pris Kabila, je ne veux pas entrer dans certains débats, et ils le mettent là. Qui ont mis Kabila là-bas, à la tête du pays? On sait tous que c'est les Rwandais. Les Rwandais avec les autres, les Occidentaux. On avait même des ministres européens qui le disaient, qu'on a tué Laurent Désiré Kabila. On est allé prendre Kabila pour le mettre à la tête du pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, si Kabila ne leur devait rien, pourquoi favoriser qu'un groupe de gens est devenu puissant au Congo? Juste une minorité des gens. On a combien de tribus chez nous? On a combien de tribus? On en a beaucoup. Des fois, il y en a qui peuvent même se battre, tout ça. On n'a jamais parlé que nous sommes minoritaires. Et ainsi de suite, tu peux sortir ici, quelqu'un va insulter un Moulouba là-bas. Le Moulouba va parler contre celui-là. Et le Mungala va parler contre celui-là. On s'est toujours battu. C'est comme dans une famille. Vous pouvez vous battre. Mais jamais le Mungala va dire, je me sens en danger au Congo. Jamais le Moulouba va dire, moi je me sens en danger en République démocratique du Congo. Pourquoi c'est seulement cette minorité-là? C'est comme l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Joseph les a aidés à traverser la crise. Il a amené aussi sa famille. Il commence à devenir nombreux. Jusqu'à ce qu'il devint fort nombreux, le roi dit, voilà ce peuple, il est devenu plus nombreux que nous. Une guerre peut surgir et ils vont s'allier à nos ennemis. Montrons-nous habiles, empêchons-le de croître. C'est dans la Bible. Et nous, aujourd'hui, on se retrouve dans tous les gouvernements. Il y a des tribus qui n'ont même pas un ministre, qui n'ont même pas un général. Il y a 450 tribus, pasteur. On ne peut pas mettre toutes les tribus dans un... Voilà. Maintenant, pourquoi ces groupes-là, qui n'est même pas une tribu, réclament des postes dans tous les gouvernements? Ils ont plein de généraux, plein de colonels, plein de ceci. Pourquoi? Le Congolais n'est pas un peuple sanguinaire. Nous, on ne va tuer personne. Mais on veut tout simplement remettre chaque personne à sa place. Vous êtes venu chez nous, on vous a accueilli, on est gentil. Reste à ta place. Tu peux vaquer à tes occupations, on n'a pas de problème avec ça. Mais si tu veux nous troubler maintenant, là on n'accepte plus. Non, on n'accepte plus. La loi Tchani doit être votée. C'est notre pays. Ce n'est pas le pays des Américains ici. Ils ont des lois chez eux. Nous allons aussi voter nos lois.
pasteur Paul Mukendi, Oza Monsal Nazambe, tango ya crise mboka na biso zali kolekisa. Rôle ya église ezali nini penza po Oza Monsal Nazambe mobengi na révolte, est-ce que za kolandaka loba ya Nzambe? Ce que je fais là, c'est ça même le rôle de l'église. Jésus-Christ avait des disciples, il y avait l'un qu'on appelait Simon les Zélotes. On l'appelle pourquoi les Zélotes? Parce qu'il se battait contre les Romains. C'est pourquoi on l'a appelé Simon les Zélotes. Vous appelez les gens se battre? Oui. Vous aviez les gens se battre? À la guerre comme à la guerre. À la guerre, quand on s'en va à la guerre, on ne va pas avec la prière. C'est une naïveté. Combien de prières on a organisées au stade des martyrs? Qu'est-ce que ça a changé? Quand on monte à la montagne comme Moïse, on envoie Josué sur le terrain. Nous avons les mains levées vers Dieu, nous prions, mais sur le terrain, il y a Josué qui est en train de massacrer les Amalécites, les Amalécites. Ça veut dire que ça, c'est un temps où nous devons envoyer le peuple à aller au front pour chasser ces Américains, chasser l'homme 23, chasser les Français. Et vous prêchez comme ça dans une église. Est-ce que vous savez ceux qui ont aidé l'Amérique à tenir ferme pendant la guerre froide? C'est les églises. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le président laisse cette opportunité lui passer comme ça. C'est les églises. Billy Graham, c'était pendant la guerre froide là qu'on a connu Billy Graham comme étant aujourd'hui le plus grand prédicateur du XXe siècle. C'était pendant la guerre froide. Il prenait le Madison Square, soutenu même par le gouvernement. Ce sont eux qui ont commencé à parler contre le communisme. C'était l'église aux États-Unis. Mais si au Congo on va vous dire, non, il faut l'amour, un pasteur ne peut pas prêcher comme ça. Non, moi je prêche, je dis aux gens, tu es militaire, prends ton arme, va tuer ces Rwandais-là. Ce n'est pas un péché. Mais le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, quand Mandela a été libéré, il a demandé à ce que les Noirs pardonnent à la communauté blanche. Oui, mais il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre aux États-Unis. Il n'y avait pas de guerre aux États-Unis, et plutôt en Afrique du Sud. Non. Il y avait une discrimination atroce. Oui. Là, nous pouvons nous pardonner. Mais ici, nous n'avons pas de guerre interne. C'est comme à l'interne. Nous pouvons nous pardonner. Le président Tshisekedi l'a fait. Le massacre du régime Kabila. Est-ce que vous l'avez oublié? Les Congolais n'ont pas une mémoire d'éléphant. Le massacre, c'est que le régime Kabila fait vivre à ce pays. C'était atroce. Mais il a pardonné. Et il a pardonné. Kabila circule aujourd'hui. Il est milliardaire, s'il vous plaît. Et il circule. Mais là, nous faisons face à une invasion étrangère. C'est maintenant différent. On va dire qu'on pardonne encore les Rwandais, qu'on les pardonne les autres, bon, qui continuent à nous tuer alors. C'est notre Congo, c'est notre pays. Je suis désolé, ce mouvement ne va pas s'arrêter. C'est notre pays. On a droit de vivre en paix. Les gens de l'Est ont droit aussi à la paix. Ils ont droit à la paix. Plutôt qu'aujourd'hui, vous vous déplacez, demain vous rentrez, des enfants qui demeurent là, orphelins, un père de famille qui s'élève le matin, il n'a ni femme, ni enfant, personne, on a tué tout le monde. Tu as seulement un souvenir que tu avais déjà eu des enfants, ou tu as été marié une fois, tu avais un mari quelque part, tu avais des enfants que tu appelais fiston, junior, mais qui n'existent plus. Non, ils ont droit à la vie. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. On doit laisser à nos enfants un beau pays. Un pays stable, un pays tranquille. On ne dit pas qu'on est parfait au Congo. Non. On peut avoir des problèmes entre nous, comme dans tous les pays. Dernièrement, le Texas aux États-Unis, menacé de sécession. Vous avez tous suivi. Le Texas, ça a toujours existé. Au Canada, c'est toujours l'Alberta. Et même le Québec. Quand tu trouves un Québécois, il te dira, je ne suis pas Canadien. Je suis Québécois, pas Canadien. Pourquoi? Parce qu'ils s'estiment être Français d'origine. Les autres sont des Anglais d'origine. Ils ont des pays. Ils ont des problèmes. Mais quand ils parlent de nation, ils font front commun. Mais pourquoi pas nous? On va nous interdire ce privilège-là. Tant que le Bali Kambouya est en démocratie du Congo, l'équipe de sa faiblesse, moi, mon souffle, c'est que le gouvernement a dit que ça, parce que si quand il y a un peu de soucis, malgré que le gouvernement a dit que Bounagana est tombé par une trahison. Je pense qu'il n'y a même pas eu de bataille, il n'y a pas eu de bagarre. On s'est levé un matin, on a livré Bounagana à ses ennemis-là. C'est cette infiltration dont on est en train de parler. Maintenant, là, le gouvernement se bat. Ils se battent pour mettre ces gens-là dehors. Et ce sont des villes
ou des territoires qui sont occupés par nos populations. Si vous bombardez, vous tuez aussi vos populations. C'est une équation. Mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, on est en train de pousser l'ennemi et à récupérer tous les territoires que l'ennemi a occupés. Je pense que ça va se faire. On acclame quand même ce qui se fait avec les forces armées au niveau de l'Est. Je pense que ça va se faire. On était avec le groupe, comment on appelle ça, de l'Afrique de l'Est, qui était, EAC, qui était de l'autre côté. Vous pensez que tous ces gens-là n'ont pas de fois une bonne volonté de venir donner un coup de main? De fois, ils l'ont. Mais c'est la pression par les puissances là. Vous pouvez voir un pays comme l'Angola qui est avec vous. Mais tout d'un coup, vous avez comme l'impression que l'Angola devient hésitant. On dirait que... Non, pourquoi? Parce que c'est les Américains. Maintenant que la SADC est sur place, est-ce qu'il faut se méfier? Il faut toujours se méfier. On ne peut pas être avoir les yeux fermés, tout ça, parce qu'ils ont les bras longs, les Américains. Ils ont vraiment des tentacules partout et ils ont les bras longs. Bon, on regarde un peu, comme il y a l'Afrique du Sud dedans. L'Afrique du Sud, des fois, est un peu têtue face à tous ces gens-là. Mais des fois, il y a des gens, c'est les intérêts. Quelqu'un peut te dire, bon, ok, moi, je te cède ce que tu demandes de l'autre côté, mais toi, fais-moi cette passe-passe-là du Congo. Si c'est comme ça que ça se passe en politique. Alors, c'est pourquoi je dis que le président doit compter sur sa population. Sur la population. Les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, nous les chassons de chez nous. S'ils ne veulent pas partir alors, qu'ils nous arrêtent cette guerre-là. Que Kagame soit sanctionné et que cette guerre-là s'arrête. Maman Naomi, pourquoi ils veulent encore des négociations pendant qu'on a des accords de Luanda? Qui n'est pas respecté. Oui, mais qu'on les fasse respecter alors. C'est à eux de les faire respecter. Pourquoi ils ne peuvent pas dire seulement au M23, ok, vous déposez les armes? Parce que le M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise. Il y a déjà des accords. Mais pourquoi ne pas respecter les accords qui sont là? Mais vous voulez qu'on aille encore aux négociations. Pourquoi? Pour nous dire, on va faire le brassage. Ils vont venir. Ok, bon, tel territoire. Et on va faire ceci. Il n'y aura pas. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. D'ailleurs, le Rwanda, c'est toujours... quand il y a des salons où on parle des pays qui produisent le cobalt, il a toujours été parmi les pays, les grands producteurs du cobalt. Cette fois-ci, il n'était pas là. Cette fois-ci, le Rwanda, chaise vide, il n'était pas là. Parce qu'on a verrué. Verrué complètement. Alors, pour moi, je trouve qu'il faut qu'on les chasse, ces Américains. Si les Congolais m'écoutent en ce moment, il faut qu'on multiplie encore d'efforts. Et sinon, s'ils veulent rester chez nous, ils veulent continuer à collaborer avec nous, ils doivent aussi sanctionner maintenant le Rwanda. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC avec le président Tshisekedi si il ne réunit pas ses collègues de l'opposition comme il le demande tant pour ensemble combattre cette insécurité? Quelle opposition? L'opposition est inexistante. Il n'y a pas d'opposition. Il y a Martin Fayoulou et il y a Moïse Katumbi. Il a fait 4% au passage. 4. 4%. 4. 1, 2, 3, 4, 4%. 4%. Bah, il dit que l'organisation a le tué Salema. Non, non, on sait que c'est un langage pour les opposants, tout le monde. Vous voyez ces Américains-là, ces Français, ils n'aiment pas Tshisekedi. Cette communauté internationale-là n'aime pas Félix Tshisekedi. S'ils ont accepté que Tshisekedi a gagné, c'est qu'il a gagné. Il a gagné et il n'y avait pas match. S'il y avait des à peu près, ils allaient même dire on va recompter les voix. Ils savaient que si on dit qu'on refait encore les élections, mais cette fois-ci, on allait se rassurer pour qu'il fasse 100%. On allait vraiment se rassurer pour que ça soit 100%. C'était affiché. Le Congolais, c'est un peuple fier. On nous a volé cette fierté. Regardez ce qu'Adima a fait. Partout en Afrique, ça ne se fait pas. Le jour même de l'élection, on publie. C'est là. On peut voir. Dans tel bureau, dans tel bureau, dans tel bureau, dans tel bureau. Alors, qu'ils soient humbles, que les opposants soient humbles, c'est leur pays. Martin Fayoulou, c'est son pays, le Congo. Adolphe Mouzito, c'est son pays. Il y a qui encore, les opposants? Non, ce n'est pas son pays. Il y a encore les autres. Non, je suis désolé. Il y a encore des gens, le Congo c'est leur pays, ils peuvent aller voir, le président de la République c'est leur frère. Parce que en politique aussi, il faut savoir, s'ils avaient fait 30%, 40%, oui,
Ils ont aussi la couverture de leur côté. Mais non, tu as fait 4%, tu ne peux pas faire le gros dos. Non, tu ne peux pas. Tu as 4%. Non, tu dois aller vers lui en rampant même pour dire non, écoutez, je suis là et ainsi de suite. Mais j'ai confiance au président Tshisekedi qu'il peut faire un bon travail. Et il va faire un bon travail. Il est à la croisée du chemin pour prendre des bonnes décisions qui pourront satisfaire les Congolais. Moi, ce que je ne sais pas, c'est flatter. S'il fait mal, je veux le dire. Je suis comme ça, j'aime pas l'injustice. Je déteste l'injustice. Mais du moins, on a un fils du pays à la tête du pays. Si nous pouvons parler aujourd'hui même librement comme ça, c'est parce qu'on a un fils du pays à la tête. C'est pourquoi nous pouvons dire on chasse les Américains. On a un fils du pays à la tête. Mais du moins qu'ils prennent des mesures qui pourront satisfaire les Congolais, pas les Américains ni les Français. Parce que ce ne sont pas eux qui l'ont voté, c'est les Congolais qui l'ont voté. Toujours c'est le gouvernement Yasike Bima, pasteur Paul Mukenzi. Ce qu'il faut que le relator opé sa tata Mokambi et que le toli, na ou n'yon se zo le kalamem na kat yon sacré, création ya dynamique na kat yon sacré, informateur Azaki qui déjà nommé, na ou etali à venir en beau kapé batoni n'y kopona. Moi, je demanderais tout simplement au chef de l'État, ce qui se passe à l'Union sacrée, c'est un jeu politique, c'est tout à fait normal. Dans les politiques, chacun cherche à se positionner, ça c'est tout à fait normal, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Chacun cherche, on ne se fait pas de cadeaux en politique, hein, c'est un jeu politique. Moi, tout ce que je demanderais, c'est de ne pas mettre des voleurs. Parce que c'est sous nos yeux que les gens s'enrichissent, illicitement. Ça continue, cette histoire de vol. Est-ce que, et puis les gens, c'est comme un détournement légalisé où on se paye 21 000 dollars. C'est un détournement de fonds. Parce que je ne pense pas que ce soit normal dans un pays comme le Congo où un individu touche 21 000 dollars par mois, sans compter les extramoroses, les choses qui viennent encore après. Paraît-il qu'il y a des gens qui arrivent même à 100 000 par mois. Alors, c'est un scandale. Ça, c'est le salaire des députés. On ne parle pas des salaires des ministres. On ne sait même pas, eux, c'est combien. Parce que si un député a 21 000, un ministre, c'est combien? Et j'aurais aimé aussi que le président nous dise son salaire. Ça, je veux l'aimer. Qu'il vienne, qu'il nous dise, non, je touche autant. Qu'il ne nous dise pas, je ne connais pas le salaire. Ça sonne mal chez nous, les intellectuels congolais. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que les députés, s'ils se donnent 21 000 dollars, et ils ont déjà voté une loi pour donner combien au président? Est-ce que le président ne nous dit pas son salaire parce qu'il est trop gros ou c'est parce qu'il ne le sait pas? Alors, il doit arrêter ça, il doit contrôler son salaire, c'est combien? Il doit regarder pour dire non, vous avez exagéré, c'est bon ou ce n'est pas bon. Et en même temps, pour dire vous autres là, 21 000, c'est quand même trop. Pendant que nous avons des soldats qui touchent 100 dollars ou je ne sais pas combien au front, ça ce n'est pas correct. Je pense que ça serait juste. Traquer les voleurs va relever notre économie. Traquer les voleurs va relever notre économie. Pasteur, merci beaucoup d'avoir pris part à ce numéro de Face à l'opinion avec nous sur ce plateau. Merci. Merci Pasteur. Merci beaucoup Madame Naomi. Autonomie, Madame Boka. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci aussi à l'équipe qui accompagne le pasteur Paul Mukendi, Vama Jordi Kalonda, Christian Bouka. Merci beaucoup de votre accompagnement. Portez-vous bien et à très bientôt.